Et chaque année, ce petit privilège du maire, que j'aime tout particulièrement, celui de lancer les festivités de Noël. Un geste tout simple, qui instantanément fait s'illuminer la ville et lui donne ses habits de fête pour apporter dans nos rues la magie de Noël. Il annonce ce temps privilégié et tant attendu de partage, de chaleur, de convivialité et de retrouvailles en famille. Il fait briller d'un éclat tout particulier les yeux des enfants que nous allons tous redevenir l'espace de quelques instants. Je les invite donc à me rejoindre pour ce moment que nous attendons tous. Et pour ça, je vais mettre les marches qui sont derrière moi. Il y en a d'autres, qui peuvent rester là. Voilà Mathis, Non, non, doucement. Viens, Mathis, viens de ce côté-là. N'importe comment, il y en aura, d'accord. Donc je vais vous faire compter les uns les autres. On commence par 10 et on diminue peut-être. Attendez. 7, 6, 1, 0. Oh yeah. Lumière plus. Merci les enfants.
Mais aussi de donner aux autres l'eau. Alors, quand vous touchez les commerçants partenaires, tentez votre chance et découvrez si elle vous a souri lors des tirages au sort au marché de Noël. Le traditionnel marché de Noël, lui, se tiendra du 13 au 15 décembre. Celui qui est par les abeilles du centre Articone, l'Articone qui a obtenu l'an dernier la médaille d'argent des miels d'Île-de-France. Une bonne occasion de se faire plaisir. Thank you.
Thank you.
Merci, bravo à la troupe Revue Ménage. Et maintenant, comme l'Argentin et Mayenne se termine sur le verre de l'amitié, bah écoutez, je vous invite et les uns et les autres, sans vous précipiter, à venir partager chocolat chaud ou vin chaud selon...